Angela Merkel est mise à l'honneur en Côte d'Ivoire. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2022 lui revient pour sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Une fierté pour Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO, Eau, Femmes et Pouvoir de Décision. C'est une fierté de voir une dame de la trempe d'Angela Merkel recevoir ce prix. Tout le monde entier sait ce que cette femme a fait pour l'Allemagne et pour le monde. Sa carrure, son savoir-faire. Et je suis presque sûre qu'elle a laissé un vide. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix a déjà été décerné à 29 autres personnalités, dont Nelson Mandela et Frédéric de Klerk en 1991, Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat en 1993 et Abdoulaye Wade en 2005.